La dernière visite de Meghan Markle dans le pays a eu lieu lors des funérailles nationales de feu la reine Elizabeth en 2022. Il est peu probable que Meghan Markle remette les pieds au Royaume-Uni, a affirmé un expert royal auprès du prince Harry chez le roi Charles. Le duc de Sussex a atterri à Londres sans sa femme et leurs enfants moins de 24 heures après avoir été informé par le monarque de son diagnostic de cancer. Mardi après-midi, le duc a rencontré le roi à Clarence House et aurait eu une réunion qui aurait duré entre 30 et 45 minutes avant de partir pour un hôtel à Londres. Harry faisait partie d'un petit groupe de membres de la famille immédiate qui ont reçu une notification personnelle du diagnostic du roi avant que le palais de Buckingham ne publie une déclaration lundi soir. Charlie Ray, rédacteur en chef officiel du Sun, s'est entretenu avec Talk TV pour discuter de la brève réunion. Il a déclaré « Je pense que cela ne fait que souligner à quel point la fracture est profonde au sein de la famille. Je ne pense pas que ce soit le premier signe d'une porte ouverte à la réconciliation. Le fait que Harry ne soit là que depuis une demi-heure en dit long. Il aurait pu rester dans les parages. Le prince William, s'il l'avait voulu, aurait pu rencontrer Harry, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il travaillait, mais il n'a aucune fonction publique officielle pour le reste de la semaine. Il a peut-être des obligations privées, mais il aurait pu voir Harry et cela montre encore une fois à quel point le gouffre est profond entre les deux frères. Je ne suis pas sûr que cela ouvrira la porte à de futures réunions de paix entre Harry et le reste de la famille. Il n'y aura pas de bienvenue à Adelaide Cottage pour le prince Harry du pays de Galles.